أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أحياء ولكن لا تشعرون. طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. كال تومو كانديليونس فو نطفى إمام ديوتان صلوات الله وسلامه عليه. Surtout pour les gens qui sont tombés martyrs dans cette période, que ce soit justement aujourd'hui ou il y a quelques jours au Niger, aujourd'hui en Arabie, quelques jours au Niger et justement un petit peu avant, aujourd'hui, hier et tous les jours en Irak et au Yémen, malheureusement. Le verset que je viens de réciter est vers la fin, si Allah me donne l'occasion, j'aimerais bien revenir sur cette question des martyrs d'aujourd'hui, qui est la question très importante pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour tout le monde. Mais surtout, les jeunes, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on dit, c'est des extrémistes, c'est des salafistes, c'est des takfirites, etc., etc. Il faut les arrêter. Et de notre côté, on voit que les martyrs sont de l'autre côté. Les gens qui sont en train de tomber martyrs, les gens qu'on est en train de tuer, c'est l'autre côté, c'est le côté des sagesses, les gens que justement, ce qu'ils ont fait, c'est le fait de parler. Juste, ils ont parlé, juste, ils ont expliqué ce qu'ils pensent. Ils ont critiqué quelques gestes ou quelques actes de gouvernement, mais donc, soi-disant pour purifier la terre de l'injustice, on attaque ces gens-là et on aide, on soutient, on finance l'autre côté. C'est une question de contradiction de l'histoire et ça existait toujours. Ce n'est pas depuis hier ou aujourd'hui ou demain. Non, ça existait toujours dans l'histoire. Des fois, c'est des questions d'économie, des fois, questions de pouvoir, des fois, questions de politique. Je ne suis pas spécialiste. Ce qui m'intéresse, c'est la justice et l'injustice que le Coran al-Karim il nous a appris, et justement sur ce verset je vais me baser, Inch'Allah. Deux versets j'ai récités pour les frères et les sœurs. Premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous les croyants, ista'inu bis sabri was salah, inna allaha ma'as sabirin. Ô vous les croyants, prenez l'aide, soutenance,
force, quoi que vous voulez traduire, estarim, soutenance, force, aide, etc. De quoi, grâce à quoi on prend l'aide? De quoi on prend l'aide? Estarinu, grâce à deux choses. Prenez l'aide ou la soutenance ou quoi que vous, qu'est-ce que vous voulez comme terme, avec as-sabr, patience, et salah, qui est la prière. Bien sûr, dans la langue arabe, rapidement, d'abord je commence avec as-salah, après je reviens vers sabr. As-salah, comme certains élèves de Hawza, les frères qui ont étudié le Hawza, même ici présents, ils savent que les termes, dans l'histoire, ils ont changé la signification. Par exemple, le terme de salat ou le terme de hajj, c'est des termes qui ont changé la signification. Hajj, ça veut dire l'intention pour partir quelque part, ou salat, c'est l'invocation. Mais aujourd'hui, ce qu'on comprend de terme salat, c'est la prière quotidienne, 5 fois par jour, ce qu'on fait comme prière obligatoire. Ala kulli hal. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous les croyants, prenez soutenance, ou prenez l'aide, ou refugiez-vous vers deux choses dans les problèmes, dans les misères. Quand vous avez des complications dans la vie, il y a deux solutions. Sabr, patience, salat. Ce qui est beau dedans, c'est sabr, c'est quelque chose que toi, tu dois le faire. C'est haraka dhatiyya, c'est mouvement individuel de ta part. Et il ne faut pas croire que c'est une petite chose. Il ne faut pas croire, parce que j'écris jamais sur mes enfants ou ma famille ou dans la société, où je m'énerve rarement ou difficilement, ça veut dire que je suis patient. Non. La patience, il y a beaucoup de sortes de patience. Amir al-Mu'minin dans Nahj al-Balagha, il nous explique 3 sortes de patience. Les Urafa, il nous explique, Ulama al-Akhlaq, il nous explique 3 sortes de patience. Nous, on croit la patience, c'est que quelqu'un m'a insulté, je patiente. Ça, c'est une sorte, ça, c'est un modèle, ça, c'est une partie de patience. Mais il y a d'autres genres de patience qui est très important. As-sabr ala ta'a. Parmi une des catégories de patience, c'est sabr ala ta'a. Ça veut dire je patiente dans l'obéissance. Une dame, elle dit, c'est devenu difficile, cher. Je ne peux plus mettre foulard. Pourquoi, madame? Mais, cher, c'est vraiment compliqué avec ce qu'ils ont fait. Les extrémistes, ils ont caché l'image de l'islam. Je me sens vraiment, vraiment observé par tout le monde quand je parle. Je marche dans la rue. Elle, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de soutenance et elle a besoin d'encouragement pour la patience dans l'adoration. As-sabr ala al-ibad. Moi aussi j'ai besoin. Parce que aujourd'hui c'est sensible. Peut-être je vais me sentir obligé d'un petit peu raser la barbe. Pourquoi? Parce que la situation, c'est difficile. Sachez que la situation en France, en Amérique, en Europe n'est pas comparable avec la situation à la Mecque, à l'époque de Rasulullah et ses compagnons. N'est pas comparable, même 5%. Même pas 5%. Ici, ou en Europe en général, je sais qu'il y a des soucis, il y a des complications. Mais ce n'est pas comparable avec même l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Aujourd'hui, à la Mecque, aujourd'hui, je ne parle même pas de l'époque du prophète. Ça suffit que toi, tu montres que tu es chiite, t'es déjà dans le problème. Malheureusement. Je ne vais pas rentrer dans la politique, je reprends. As-sabr ala al-ibada, ça demande des efforts personnels. C'est vrai, du'a, l'invocation, c'est important, mais ça demande jihad et nafs. Des efforts personnels contre notre âme, notre nafs, notre désir, notre plaisir, pour contrôler cette âme. As-sabr ala al-ta'a.
As-sabru anil ma'asiyah. Il y a grande différence entre ala et an. Vous voyez en arabe. As-sabru ala, ça veut dire patience pour quelque chose. La patience, ala. En fait, ala, on a traduit en français sur. Mais ici, il veut dire la patience ou sur quelque chose ou pour quelque chose, pour telle action. Patience. Pour pouvoir faire la prière, ou alaykoum salam, pour autre chose. Ça, c'est sabru ala al-ta'a. Mais le ma'asiyah, les désobéissances de Dieu, sabru anil ma'asiyah. Ça aussi, c'est parmi les patiences très importantes. Et, troisième sorte qui est très connue, donc, anil ma'asiyah, c'est, excuse-moi, je n'ai pas traduit, as-sabru anil ma'asiyah, ça veut dire la patience contre les péchés, une fois que les péchés s'approchent, ça intéresse. Un jeune homme, il voit une fille dans le métro, dans la rue, à la faculté, au travail, etc., qui lui parle d'une façon, c'est là l'épreuve. Donc, as-sabru anil ma'asiyah. Et ce n'est pas que pour les jeunes, mais pour les jeunes, c'est encore plus difficile. Maintenant, si quelqu'un, il est âgé, et quand même, il ne contrôle pas ses yeux, vraiment, il doit recalculer sa situation. C'est grave, son cas. Si quelqu'un, il est âgé, et il ne contrôle pas ses yeux. Mais les jeunes, c'est grave aussi. Je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, mais on comprend qu'il est en train de faire vraiment des efforts. Et vraiment, il sera remercié par Allah, récompensé par Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses actes. À la connaissance. Ça, c'est as-sabr anil ma'asiyah. Troisième sorte qui est très connue, comme je vous ai dit tout à l'heure, as-sabr fi shada'id wal masalib. La patience dans les misères, dans les problèmes, dans les catastrophes, etc. Quelqu'un, il a perdu quelqu'un de la famille, il patiente. Il a la patience. Ça aussi, c'est parmi les sortes très importantes de sabr. Ici, il y a quelque chose que j'aimerais bien dire. As-sabru fil bala, patience dans les misères, dans les problèmes, dans les complications de la vie, dans les n'importe quelle chose qui arrive, des événements. Ça ne veut pas dire accepter le fait d'être humilié. Des fois, on ne distingue pas entre la patience et l'humiliation. Des fois, on est humilié. On croit on est patient. Ce n'est pas vrai. Il faut distinguer entre les deux. Je patiente parce que j'ai tel but. Donc je patiente. Mais si je vois que, en vérité, le fait que je n'ai rien dit, ça fait des choses négatives plus que si je parle, non, dans ce cas-là, tu dois parler. Tu ne peux pas dire, moi je suis patient, je vois par exemple les enfants en train de torturer tel animal, je suis patient, je ne rentre pas, je ne m'énerve pas, je suis calme. Ce n'est pas possible. Je vois tel vieux, il est en train il était frappé par plusieurs jeunes pour juste prendre telle somme de lui. Moi je ne m'énerve pas, moi je suis calme, je ne rentre pas dans ces gens. C'est le contraire, c'est grave ce cas. Je vois les gens, ils sont en train d'insulter mon professeur. Moi, je suis calme, j'ai patience. J'ai la patience. Non, c'est pas vrai. Je vois les gens qui sont en train d'insulter mon imam ou mon prophète. Non, je suis patient. Je m'énerve pas. Absolument faux. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je m'énerve, ça veut dire je commence à faire l'acte qu'ils ont fait. Absolument pas non plus. Ça veut dire je ne patiente pas contre l'injustice, mais je fais ce que je dois faire. Et chaque chose, il a des réactions spéciales. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour du jugement, si on est vivant, on n'a jamais aimé celui qui a fait des caricatures sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais aimé. Et personne ne peut aimer. Et quelqu'un qui a un peu de politesse, un peu de sentiment, il ne peut pas aimer cet acte. Mais ça ne veut pas dire qu'on défend ce qu'ils ont fait absolument non plus. Absolument pas. Ce qu'ils ont fait, les plusieurs jeunes là, qu'ils ont dit venger le prophète, ça c'est des gens complètement égarés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Complètement. On le dit. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. À l'époque de l'imam Ali, alayhi salam, Amir al-Mu'min, il était à la mosquée, il y avait des gens qui l'insultaient. Vous savez ça?
à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Il y a des gens qui l'insultaient au Koufa, Masjid al-Koufa. Et quand les ashabs, ils voulaient à chaque fois s'énerver pour le prendre, le frapper, juste frapper, ils disaient non. Il m'a insulté, je peux le répondre, la même chose, je peux me pardonner. Ce n'est pas vos affaires. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Mais le problème, c'est que celui qui est en train de réagir ou poussé à être réagi, je ne sais pas, c'est celui qui est naïf, celui qui fait ce genre d'actes. Que ce soit ces jeunes-là ou les autres, encore pire, mille fois pire, les gens des extrémistes qui viennent de l'Irak, il y a quelque temps qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ici. Et à chaque fois, ils nous mettent encore plus dans la misère. Donc, as-sabr, attention, je répète la phrase. As-sabr, ça ne veut pas dire le fait d'être humilié, c'est la patience. Non. La patience, c'est que j'accepte la situation comme il est et j'essaye de réagir comme Dieu le veut, comme Allah a voulu. C'est ça, as-sabr. Maintenant, entre parenthèses, il ne faut pas en plus dire que tout ce qui est véridique, je dois le dire. S'il vous plaît, ne traduisez pas mes mots. Ne dites pas, il voulait critiquer telle personne, il voulait critiquer telle personne. Ne dites pas ça. Parce que moi, je suis là, Inch'Allah, je suis à votre service. Après le discours, il n'y a aucun problème, on peut parler. Mais moi, je suis en train d'expliquer ce que j'ai compris de Coran et de Sunna. Très modestement. Non plus, il ne faut pas non plus réagir d'une façon comme quoi, je sais, je dois le dire. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout ce que tu sais que tu dois le dire. Même le prophète, sallallahu alayhi, Amir al-Mu'minin, Imam al-Sadiq, alayhi salam, qui ose dire je suis meilleur que ces genres de personnes? Qui ose dire? Quel chiite, quel sunnite, quel, je ne sais pas, quel philosophe? Personne n'ose dire je suis mieux que ce genre de personnes s'il comprend leur valeur, leur importance. Pourquoi l'imam Sadiq, des fois, il ne disait pas ce qu'il savait et qu'est-ce qu'il devrait dire en vérité pour nous par rapport à notre compréhension? Parce que l'école des maqam et maqam, ça ne veut pas dire qu'il faut dire tout ce qu'on sait et partout et dans n'importe quelle situation. J'étais quelque part, je n'aime pas dire nord de l'Amérique, mais je n'aime pas préciser, ce n'est pas important. J'ai fait Khutbat al-Jum'ah. Juste après Khutbat al-Jum'ah, j'ai dit à certains frères cette histoire. Là, récemment, un homme, il vient, il me dit, « Cheikh, la partie de deuxième Khutbah, tu n'as pas parlé politique, de la politique, tu n'as pas parlé de telle chose. » J'ai dit, « Si, je parlais de la politique. Tu n'as pas remarqué, je parlais de ça, ça. » Mais pas politique, politique, je ne suis pas spécialiste de politique, mais je parlais des choses, des questions, de l'actualité, le terme complètement j'ai oublié. J'ai parlé de l'actualité, j'ai expliqué des choses. Il m'a dit non, tu étais injuste envers le Khutbat al-Jum'ah. Comment tu vas répondre le jour du jugement à Imam al-Hussein? Incroyable, il m'a fait discours quand même. J'ai dit subhanallah, pourquoi? Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, regarde Imam Hussein comment il a réagi. Après, je lui ai dit, et regarde Imam Zain al-Abidine comment il a réagi. C'est toi qui décides quand est-ce qu'on doit devenir Imam Hussein, quand est-ce qu'on doit devenir Imam Zain al-Abidine. Déjà, on ne peut pas devenir, mais je veux dire, quand est-ce qu'on réagit de cette façon, quand est-ce qu'on réagit de telle façon. Encore une fois, je répète, ne traduisez pas mes mots. Je ne veux pas dire que ce qui s'est passé pour ce shahid, Sheikh al-Nemer, c'est à cause de... Pas du tout. Lui, il a juste parlé. Il a critiqué. Absolument injuste tout ce qui s'est passé pour lui. Ils l'ont tué injustement. Ils vont recevoir des misères eux-mêmes. Moi, je ne suis pas un politicien, mais je sais. C'est automatique. Ils vont subir. Et ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Parce que le sang qui est versé injustement, Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être pour un moment, il le laisse, mais après... Que ce soit en Égypte, et vous savez de qui je parle, que ce soit à Yémen, les enfants qui sont tombés martyrs, juste au nom de Ahl al-Bayt, à chaque fois il sort l'autre, il dit Al-Houthiyin, Al-Rawafid, je ne sais pas quoi. Nous sommes contre celui qui tue
injustement, que ce soit le tuer chiite, que ce soit sunnite, et même si celui qui a tué l'enfant, l'homme, la femme, chrétien ou juif encore, et même athée, insan, un être humain, injustement tué, c'est injuste. L'ennemi, je ne parle pas. L'ennemi, ça peut être chrétien, l'ennemi de Dieu, qui est en train de te tuer. Tu dois te défendre, ça c'est normal. Que ce soit en France, là en France, on sait très bien ça, c'est la logique absolue. Je parle de celui qui est tué injustement. Estaïnou bissabri wa salah. Je vais partir sur le deuxième verset, permettez-moi de reprendre. Estaïnou bissabri wa salah. Sabr, on a expliqué, c'est pas suffisant, mais j'aime passer parce que le temps passe. Mais deuxième partie, salah. On a dans les hadiths que Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salam alayhi, quand je dis Amir al-Mu'minin, c'est absolument qui? Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salam alayhi. Quand il avait des problèmes énormes, il faisait la prière. Pas la prière obligatoire. Et les ulama, ils font ça. Des fois, quand il y a des choses compliquées, vraiment, qui nous rendent très tristes, justement, le verset, il dit « Ista'inu bis-sabri was-salah ». Sabr, c'est mouvement personnel de ta part. Salah, c'est irtibatun billah. C'est soutenance réelle. C'est celui qui a toutes les clés. Celui qui peut résoudre tous les problèmes. Aucun problème ne peut être bloqué si Allah décide à le débloquer. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuha alladhina amanu. Ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Allah est avec les patients ou les patiences. Les gens patients, Allah est avec eux. Ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Allah est avec eux. Wa alaykoum salam. Encore une fois, imaginez quel maqam Allah donne à ces gens-là qu'ils ont sabr et qu'ils ont l'irtibat ma Allah. Juste après Allah, il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Ne dites pas à celui qui est mort ou celui qui est tombé martyr pour Allah subhanahu wa ta'ala فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ça c'est très important. C'est ça la question. التفتوا إخواني الأعزاء. Mes frères, c'est ça la question très sensible. Là, c'est grande question d'interrogation. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se considèrent à moi de fi sabilillah. Mais on sait très bien que, malheureusement, le shaytan, il profite de l'ignorance. Et ils peuvent être un mouad fi sabil el hawa, c'est passion, le hawa. Un mouad fi sabil el ghurur, l'orgueil. Un mouad fi sabil el naqimati wal haqd, la haine. Un mouad fi sabil el mal, l'argent. Un mouad fi sabil el jihad el munakaha, relation. Je ne vais pas traduire complètement, vous comprenez de quoi je parle. Amwat fi sabil et shuhra, le fait d'être star et connu, tous ces genres de buts, ça salit incroyablement l'intention de la personne. Il ne saura absolument pas parler parmi les martyrs. Ici, Allah est dit wala taqulu liman yuqtal. Non, yuqtal fi sabilillah. Il peut être juste à côté du prophète sallallahu alayhi. Il tombe martyr, excusez-moi, il est tué en étant à côté du prophète et contre les ennemis du prophète. Mais après, le prophète, il dit, ce n'est même pas un martyr et vous connaissez l'histoire. Ne dites pas, c'est un shahid, c'est le martyr de quoi? Dites-moi. De Himar, sahalana. De Dakar al-Qissa. Vous vous rappelez de l'histoire? Il a aimé l'âne, il a voulu tuer l'homme qui était dessus, juste pour Ranima. Ranima, c'est quoi?
les butins de guerre. Il voulait cette âme. Donc, Shahid al-Himar. Incroyable. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu comme vidéo, une vidéo de Niger. Les morts qui sont tombés martyrs, qu'ils ont tués, juste parce qu'ils étaient partisans de Ahlul Bayt. Ils les ont mis dans des grands trous, même pas des tombes. Ils ont fait des grands trous et ils ont jeté dedans. J'ai vu dans la vidéo, il y a des hommes qui sont en train de chercher dans leur poche, enlever leur montre, et etc., etc. En train de crier, ouais, par là. C'est même pas un bouton de guerre, c'est le plus sale qui peut exister. Je vous fais une وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ طيب. وَلَا تَقُولُ Ne dites pas. C'est un ordre de Dieu, n'est-ce pas? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ à celui, par rapport à celui qui est tombé martyr, fi sabili Allah, ne dites pas qu'il est amwat. Ne dites pas qu'il est mort. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Plutôt ils sont vivants, mais vous le sentez pas. Sur ce l'ahya, permettez-moi, je commence par la fin, après je reviens wala taqul ma yuqtal fi sabili Allah, je reprends inchallah dans les minutes qui me restent. Ahya, qu'est-ce qu'on comprend? C'est quoi Al-Hayat pour nous? Al-Hayat, si on veut traduire en français, Hayat en persan, c'est Zendi. En français, c'est la vie. Al-Hayat, c'est la vie. Ce qui est incroyable, dans la logique du Coran et du Karim, la vie réelle, ce n'est pas la vie d'ici-bas. Et vous connaissez, mashallah, je vois sur le visage des frères, je vois qu'ils ont tout de suite compris de quel verset je parle. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Ne dites pas ce moment, c'est la vie. Plutôt, wa innal akhirata, plutôt, Al-Akhira, l'au-delà, est la vraie vie. Tout ce qu'on vit ici, c'est comme un rêve. Mais un rêve sur lequel on est récompensé et on est puni. On est responsable. Dans le rêve, si tu fais l'acte haram, tu n'es pas puni. Si tu manges haram dans les rêves, tu n'es pas puni. Parce que dans le rêve, c'est le hayat et le barzakhia, c'est entre en fait, ce n'est pas vie réelle, tu n'as pas la décision, tu ne peux pas décider toujours toi-même. Des fois, c'est des choses que absolument dans la vie tu ne peux pas les faire, mais dans les rêves tu les fais. Donc, on parle pas sur le jour du jugement, on parle pas sur vos rêves, nos rêves, alhamdoulilah. Ce moment, c'est comme un rêve, anna sunia amon. Vous connaissez les histoires, les ahadith, mais juste je passe rapidement pour prendre un peu l'idée de quoi on veut parler ici. En réalité, nous, on croit que celui qui l'a passé à l'au-delà, ça y est, haram. C'est déjà fou. C'est quoi haram? On est triste pour celui qui est mort. Oui, s'il est mort avec mauvaise intention, il a fini mal, on est absolument triste. Justement, la question d'ambiguïté ici, Sayyid al-Shuhada, salamallah alayh, qu'il est mort de telle façon, il est tombé martyr de telle façon, est-ce que, certains, ils nous disent, vous pleurez Imam al-Hussein, alors qu'il est au paradis, qu'est-ce que vous arrive, vous? Justement, nous, on pleure pas pour Ruh al-Hussein, salamallah alayh, on sait que Ruh al-Hussein, l'âme de Hussein, il est dans le meilleur endroit, dans le meilleur. On pleure l'injustice qui a été commise envers Sayyid al-Shuhada. On pleure l'injustice. Et Rasulullah, il est au paradis ou pas? Absolument, il est fi ahla maqam. Pourquoi Abdullah ibn Abbas, il pleurait? Il criait. Les sunnites et les chiites, ils parlent de ça.
Il criait, il pleurait, à chaque fois, il répétait partout. Ar-raziya kullu ar-raziya, la misère, toutes les misères dans l'histoire de l'Khamis, et vous connaissez l'histoire. Rasulullah, il a demandé telle chose, katif wa dawat, ou qalam wa dawat. Ils n'ont pas ramené, ils ont dit, ça nous suffit largement le livre de Dieu. Et incroyable! Abdullah ibn Abbas, il pleure parce qu'il a senti l'injustice. L'homme qui a ramené la lumière, akhrajahum min al-dhulumat ila an-nur, l'homme qui les a sortis de ténèbres de l'ignorance vers la lumière absolue, vers Allah, eux, ils ont réagi de cette façon juste à la fin de sa vie. C'est injuste. Taïb, je reviens. La vraie vie, ce n'est pas ici. Comment on termine cette vie? Dites-moi, Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il a dit comme phrase, dernier moment? Fustu. Qui dit cette phrase? Qui dit cette phrase? Celui qui sait qu'il se déplace de la misère vers la lumière. Fustu. J'ai vaincu? Comment dire? Wab al-Ka'ba. Il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Fustu. Nous, avant de dire nous, c'est quoi, moi personnellement, c'est quoi notre misère dans ce moment, je, avant de parler de ça, un Arif, ils lui ont dit, excuse-moi, un Arif, il a, dans le rêve apparemment, il a vu le shaitan. Un alim, akhlaq, très très bon savant qu'il a travaillé sur sa spiritualité. Shaitan, il lui a dit, tu t'es échappé de moi, cheikh. Vraiment, tu t'es échappé de moi. Après, l'alim, il était très intelligent, il a dit, pas encore, je suis encore vivant. C'est pas encore sûr. Justement. Allahu Akbar, combien de gens ils ont terminé mal? Combien de gens ils étaient dans sur Wilayat Ali ibn Abi Talib pendant longtemps? À un moment, ils ont laissé tomber tout. Moi-même, avec mes propres yeux, j'ai vu des hommes, des dizaines d'années, ils étaient sur le chemin de Ahl al-Bayt, ils étaient serviteurs de Ahl al-Bayt. À un moment, je le vois et dis, Cheikh, tout ça, c'est... Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai marre. Tout ça, j'ai abandonné tout. Tout t'as abandonné, comment t'as pu faire? J'ai pu faire. J'ai abandonné tout. Pas encore. L'alim, il dit pas encore. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. أَمْوَاتٍ, le problème, c'est nous, dans ce moment, des fois, on est أَمْوَاتٌ. On se réveille, on reprend la vie quand on est mort. Pourquoi? Parce qu'on est à moi de faire tenir par de l'Ahyan. Je parle de moi-même. Celui qui n'arrive pas à goûter l'amour de Ahlul Bayt, c'est lui qui n'a pas de relation avec Rabb al-Arbab, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de relation, ni salah, ni ibadah, ni invocation, ni ishq avec Allah, c'est à moi. Même s'il mange, même s'il parle, même s'il marche, il est mort. Il est déjà mort, il est parmi les morts. Al-Ahya, laissez bil jism. Amwatun, la taqoul, wa la taqoul li man yuqtal fi sabilillah, bal ahya'un. Plutôt, c'est eux les vivants. Les martyrs qui sont tombés martyrs pour Allah, c'est eux les vrais vivants. Bal ahya'un. Walakin, c'est quoi le problème? Walakin la tashurun. Nous, on ne le sent pas. Nous, on ne le comprend pas. On pense que ça y est, Cheikh Folan, il est tombé martyr, il est mort. Il est mort. Mais la vraie vie, ça a commencé en vérité. Nous, on a des devoirs. Nous, on va voir comment on va terminer. Nastajiru billah. Nastajiru billah. Comment on va terminer. Je connais des gens, là, je le dis parce que je sens que c'est nécessaire. Je connais des gens. Ils étaient dans le centre des études islamiques et des chiites, des études sur le chiisme. Ils avaient relation avec des maraja. Ils étaient proches des grands savants. Ils étaient dans une situation incroyable. Mais ils ont terminé bel fisq wal fujur. Fisq, c'est pervers, le fait d'être pervers. Ils ont terminé comme ça. Il n'y a pas de garantie.
ولا تقولوا je reviens sur le verset qu'on vient de réciter ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. طيب je termine avec cette idée. احياء comment? C'est quoi l'احياء? Là les exégèses dans l'exégèse du Coran le Karim, exégèse si j'ai bien prononcé, dans l'exégèse du Coran ou tafsir, il y a plusieurs paroles. Il y a certains qui ont dit en fait des explications ou tafsir, ils disent ahya parce que leur chemin qu'ils ont dessiné pour l'humanité reste vivant. Ils ont montré un chemin pour l'humanité. Chemin de justice, chemin de ne pas accepter le fait d'être humilié. Ça, ça reste vivant. D'autres, ils disent non. Ahya, c'est parce que ils vont se rappeler de eux. L'autre, il dit, je ne sais pas quoi. Mais ce qui est intéressant pour nous, Ahya fil hayat al barzakhia, ce qui est compris par Ahl al-Bayt alayhi salam. Wa muna'amun. Hayat al barzakhia, ça n'a pas besoin de corps, même si son corps il est complètement détruit. Comme certains shahids. Comme un des shahids, que incroyable, j'ai entendu sa phrase, il pleurait, il disait « Mon Dieu, je veux quand je tombe martyr, mon corps soit dispersé partout et que rien ne reste de mon corps. » Je ne sais pas pourquoi il a demandé ça et il est tombé martyr de cette façon. Même lui, « Fait le hayat al-barzakhia, mon âme, il n'y a aucun problème. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Bal, plutôt, yuna, pour dire plutôt, ce que vous pensez, c'est faux. » Vous ne comprenez pas. Vous le sentez. Vous n'arrivez pas à le sentir. Et l'autre, il vient pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est fini. Sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Il te dit, Ahl al-Bayt, c'est fini, ils sont morts, c'est terminé. Regarde quelle compréhension ils ont de l'islam. Regarde quelle haine ils ont pour Rasulullah. Pour Rasulullah, quelle haine ils ont, il faut le dire. Celui qui aime Rasulullah, il ne peut pas dire c'est terminé Rasulullah. Comme si c'est une personne qui est venue dans l'histoire et c'est parti. Et il n'est même pas, il n'existe même pas, ni vivant, tout ça, il ne croit pas. Donc, pour résumer et terminer notre discours, deux points dans le premier verset. As-sabr wa as-salah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salah. Notre devoir, que ce soit pour les jeunes ou pour les gens plus âgés, dans les misères, dans le problème, on a besoin de deux choses: la patience et la relation avec Allah. Da'imun min nafsik wa da'imun min rabbik. Ici, permettez-moi de dire une phrase. Des fois, j'entends des gens très corrects qui disent « Moi, j'ai osé faire telle chose parce que telle personne est derrière moi. » Moi, j'ai dit en vérité, ça, c'est pas bon. Il faut qu'on fait des exercices et de croire que personne ne me sert à rien si Allah ne le veut pas. Il faut toujours penser que Allah me protège. Telle personne, il dit, il fait tel discours. On lui a dit « Pourquoi tu, comment tu oses dire telle chose sur le minbar ?» Il dit « Oui, mais moi, je ne suis pas comme vous, par exemple, comme... » Il s'adresse à moi. Il dit, je ne suis pas comme vous, que personne vous aide, personne vous protège. Ni des pays derrière vous, ni des grands partis politiques derrière vous. Vous êtes tout seul. Vous n'avez personne. Mais nous, on est défendu par tel parti politique, ou par tel pays, ou par telle personne, etc. Les gens calculent de cette façon. Mais nous, on doit faire des exercices. Il faut penser à une chose. Le vrai soutien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sinon c'est non amen à shirk, même si c'est khafi. Et les ulama et l'akhlaq, ils n'ont pas dit c'est kafir la personne qui tombe dans ce genre de shirk. Mais c'est au niveau d'aqidah, il y a un problème. Au niveau de tawakkul, il y a un problème. Il faut travailler dessus. Moi, je dépense tranquillement parce que je travaille dans telle société. Et en plus, j'aurai la retraite. Ah, toi, tu n'as pas de retraite? Ah, c'est normal que tu dépenses. Non, ça aussi. Tout ça, c'est un wa'al, mashak. Ista'inu bis-sabr wa s-salah. Donc, c'est ça l'ista'ana, la vérité.
Il n'a pas dit Esta'inu bil muluki wal wuzara. Est-ce que vous avez entendu le Coran ou le Hadith? Il te dit Esta'inu bil muluki wal wuzara. Non. Esta'inu bil sabri wal salah. Et j'ai beaucoup d'histoires sur ça, d'Amalama, qu'ils étaient menacés par la Russie à l'époque, au nord de l'Iran. Plusieurs histoires. Ils l'ont menacé un de l'Amalama. Ils ont dit, si tu ne fais pas telle fatwa ou je ne sais pas quoi, on va te tuer. Qui? Les Russes. C'est, à l'époque, ce n'était pas les Russes, c'était les Tahal soviétiques, comment dire Union soviétique, à l'époque. Ils l'ont menacé, ils ont dit, on te tue. Lui a dit Allah yahfadhuni. Ils ont dit on va voir, tu vas voir. Subhanallah, il dit deux semaines après l'Union soviétique, il était complètement sorti de telle ville où il était lui. Ils sont complètement sortis. Les gens, ils ont été impressionnés que ça. Alim, il a osé faire quelque chose comme s'il savait qu'ils vont sortir de toute façon. Il ne s'est pas mis sur leurs pieds. Estaïnou bissabr wa salah. Il ne faut pas non plus exagérer, mais des fois, il y a des choses qui sont demandées incroyables. On ne peut pas accepter. Estaïnou bissabr wa salah. Ça, c'est le premier verset. Inna Allaha ma'as sabirin. Justement, Inna Allaha ma'a. Vraiment, je n'ose même pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi, je ne peux pas comprendre ma'iyatullah, qu'est-ce que signifie. Allah est avec celui qui est patient. Nous, quand on parle de hadith « Aliyun ma'al Qur'an wa al-Qur'an ma'ali », ça nous bouleverse ce hadith. Et justement, j'aimerais bien une fois pour les francophones parler de ce hadith. C'est extraordinaire comment il a expliqué avec Allah Wahid, le Khurasani. J'ai vraiment apprécié comment il a expliqué le hadith. Avec le Coran et avec ce hadith, il a donné des choses, il a expliqué des choses extraordinaires de Amir al-Mu'minin. Aliyun ma'al Qur'an wa al-Qur'an ma'ali wajhain. Ajib, al-hadith, incroyable. Donc, ma'iyya, il faut un petit peu étudier, c'est quoi le fait d'être avec? Avec, qu'est-ce que signifie? Inna Allaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tashurun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uk بنبيك نبي الرحمة بمحمد يا الله إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه اشف كل مريض رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم انتقم من أعداء دينك يا الله اللهم انتقم من أعداء شيعة علي يا الله اللهم انتقم من أعداء المسلمين الحقيقيين يا الله اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل المنافقين وأهله اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا بدا وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين لا أمواتنا أموات الحاضرين إلى من مات على الإيمان العلماء والشهداء والصالحين خصوصا الشهداء الذين سقطوا في اليمن في بلادنا الإسلامية في عراقنا الحبيب الشهداء الذين سقطوا في الحجاز في هذه الأيام وأخص بالذكر الشيخ النمر اللهم إلى أمواتنا جميعا إلى من مات على الإيمان مراجعنا العظام المؤسس آية الله العظمى سيد أبو القاسم الخوي مراجعنا في إيران مراجعنا في النجف موتانا جميعا الفاتحة مع الصلوات